Yo les amis, c'est Ous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes sur World of Warcraft, nous sommes sur le live pour parler du patch qui vient d'arriver, le patch 7.0.3. Ça y est, il est disponible et on va prendre, bien écoutez, le temps d'une vidéo pour parler plus ou moins de ce patch, on va dire dans les grandes lignes. Mais tout d'abord, je tiens à apporter une petite précision puisque visiblement, pas mal de gens semblent s'être complètement fourvoyés sur ce patch. Alors, Blizzard a été très clair là-dessus, ce pré-patch Légion va se composer de 3 parties. La première partie qu'on a eue mercredi 20 juillet, celle dont on va parler aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. Il va y avoir une deuxième partie ainsi qu'une troisième partie. On n'a pas encore les dates de la deuxième ni de la troisième, même si pour moi, ça semble évident. Alors après, on ne sait jamais s'ils ont un petit souci au niveau du développement, entre guillemets. Ils vont peut-être leur tarder d'une semaine ou quoi. Mais pour moi, à partir d'aujourd'hui, on va avoir du contenu toutes les 2 semaines jusqu'à Légion. Je m'explique. Mercredi 20 juillet, on a cette première partie, cette première salve, pour reprendre l'expression de Blizzard. Le 3 août, donc mercredi dans 2 semaines, on va avoir la deuxième salve. Et dans cette deuxième salve, il va y avoir quoi? Il va y avoir l'invasion. Vous savez, la fameuse petite invasion qu'on a pu tester notamment sur le PTR ainsi que sur la bêta. En Azeroth, vous allez avoir des espèces de portails qui vont pop dans certaines zones. Ashara, Tanaris, de l'autre côté, pareil. Et dans ces fameuses zones, justement, il va falloir aller complètement... je sais pas comment dire, endiguer la menace de la Légion. Voilà, il y a des portails qui vont s'ouvrir, il faudra tuer les démons. Et puis, en tuant les démons, on aura une espèce de monnaie qui nous permettra d'acheter de la transmo, etc. Ça devrait arriver donc dans la deuxième salve, le 3 août. Ensuite, troisième salve, plus ou moins autour du 17-18 août, arrivée du DH. Ainsi que sa zone de départ, Mardoum, qui dure quand même 2-3 heures, hein, c'est pas court. Vous allez voir, il y a des cinématiques de fou et tout, donc ça va être très très intéressant. Et donc voilà, cette troisième partie arrivera le 17 août. Et pour finir, Légion sortira le 30 août, ce qui nous fait du contenu toutes les 2 semaines. Voilà, donc c'était juste pour clarifier un petit peu la chose, que vous sachiez à quoi vous attendre. Donc je dis ça parce qu'il y a des gens qui étaient un petit peu déçus, ils se disaient, mais en fait dans ce patch 7.0 c'est nul, il n'y a rien à faire, on se fait déjà chier. Eh oui! Calme-toi, ça arrive petit à petit. Il y a certaines choses aujourd'hui qui vont te permettre de te familiariser avec le système de transmo, faire de la place dans le coffre. Ça va te permettre aussi d'appréhender, on va dire, ton nouveau gameplay, etc. Voilà, ceci étant dit, maintenant c'est clair. Très rapidement, je vous parle vite fait de ma map. Il y a des gens qui me l'ont demandé dans ma vidéo sur la monture Void Talon. Ils m'ont dit, ouais, ta map, elle est plutôt cool, elle est bien détaillée, etc. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Atlas World Map. Vous trouvez ça sur Curse très facilement. Voilà, voilà. Alors, on va commencer par prendre le patch note sous les yeux. Et là, tout ce que je vois, c'est nouveau système de collection de transmogrification. Alors, le nouveau système de transmo, ça y est, il est là. Et ce système de transmo, on a eu l'occasion d'en parler très longuement dans les précédentes vidéos où je vous l'ai présenté. J'ai même fait une vidéo entière pour vous parler de ce système de transmogrification. Ça y est, maintenant, il est opérationnel. Vous avez toutes les parties du stuff qui sont bien disposées séparément. On a le casque, les épaules, le torse, etc. Vous choisissez, vous faites votre transmo. Bon, après, il faudra toujours retourner chez le maître de transmogrification dans les capitales, etc. On ne peut pas le faire directement, à moins que vous ayez le yak qui possède directement un transmogrifieur, si je peux appeler ça comme ça. Donc, c'est une excellente chose. C'est clair, c'est net, c'est précis. Oh là, je vois que j'ai le corselet d'or Grimard. Alors ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que je voulais l'acheter. Donc tant mieux s'il est ici. Donc si vous voulez, on peut même aller directement en capitale pour que je vous le montre en détail. On va faire ça pendant que je vous lis le patch note de toute manière, histoire d'agrémenter un petit peu la vidéo. Donc, système de transmo, rien à dire de plus, hein. Voilà, c'est simple et efficace. Bon, ça va pas vous ajouter énormément de gameplay. Ça va vous prendre un petit peu de temps, puisque si comme moi, vous avez les coffres, par exemple, du vide complètement plein, je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme de le vider. Mais moi, j'ai 2 pages de transmo, plus la banque pleine. En vendant tout, ça devrait me faire environ 10 000 PO, et ça pour chacun des persos. Donc, c'est quand même pas négligeable. Alors, vous parlez à ce mec juste ici. Et puis, vous choisissez justement la transmo qui vous intéresse. Par exemple, ici, pour ne pas avoir de casque. Et puis le casque qui vous intéresse, sinon voilà, vous avez plusieurs pages. Pareil pour toutes les autres pièces de stuff, les épaulettes, ici nous avons quoi, le torse, les capes, etc. Mais pas que, nous avons aussi possibilité
comment dire, d'avoir une transmo pour l'enchantement de l'arme. Vous voyez, j'ai quasiment rien. Et là, on peut pas faire source manquant, non. C'est quand même dommage parce que j'aimerais bien voir ce qui me manque. Là, on voit, j'ai que 7 transmo sur 50. Donc là, c'est quand même assez curieux. Bon, tout ça pour dire que pour débloquer les transmos d'enchantement, il faut choper des tomes. Et des tomes, pour les faire, c'est les enchanteurs qui vont les faire, je crois. Il y en a certains tomes qui se chopent en réputation, etc. Vous avez les guides sur Internet, ça devrait vous occuper. Choper de la transmo, choper des tomes, c'est quand même pas mal pour occuper les prochains jours, voire les prochaines semaines. On a aussi possibilité de lier une transmo à chaque spé. C'est-à-dire que si, par exemple, cette transmo, je l'aime bien en fureur, pas de problème. Mais je peux faire une transmo pour l'aspect arme. Et quand je switch aspect arme, j'aurai le full stuff grand seigneur de guerre, par exemple. Donc voilà, ça c'est possible. Et puis il est évidemment aussi possible de configurer des tenues. Comme ça, vous pouvez switcher d'une tenue à l'autre très facilement. Voilà, donc ça c'est une très très bonne chose. Ah, attendez, oulala, je suis déconcentré parce que là j'ai du courrier et j'attends un truc assez important. Donc on va aller voir ça ensemble. Ouais, c'est ça. Marché noir. Très bien, on va regarder ça ensemble et puis après on reprend la vidéo. Yes, il est là. Il est complètement là. Alors, je vous explique ce que c'est que cet objet. Ok, bon bah je le prends. Impeccable. Je l'ai payé cher, mais très honnêtement, je vous cache pas que je voulais à tout prix cette transmo d'arme. Donc là en plus un petit rat, donc voilà, c'est parfait. Alors cette transmo d'arme, c'est simplement ça, vous voyez, un luth. C'est une espèce de guitare, et il en existe deux comme ça, il y a l'espèce de guitare, on va dire, elfique, et il y a la guitare mort-vivant, voilà, squelette et tout, et il me faut les deux parce que je trouve que c'est juste excellent en termes de transmo, donc je suis vraiment, vraiment content de l'avoir. Ce sera pour mon paladin. Voilà, voilà. Allez, on continue la petite vidéo. Donc, système d'honneur. Le système d'honneur qui a été revu, je ne sais plus exactement où c'est en appuyant sur I, voilà. Nouveau système JCJ. Maintenant, ça va être un petit peu particulier. C'est-à-dire que là, ça va pas trop servir pour le patch 7.0. C'est surtout mis en place pour Légion. Mais, à partir de maintenant, il n'existe plus de monnaie, enfin, de points d'honneur ou de points de conquête. Dès qu'on gagne des BG, on va avoir, par exemple, des espèces de caisses, toujours. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir des espèces de marques aussi, maintenant. Donc, finalement, ce sera la nouvelle monnaie. Au lieu d'avoir des points, on va avoir des marques. Ça vous permettra d'acheter du stuff. D'ailleurs, allons voir vite fait les petits PNJ. Voilà, qui sont juste ici. Vous voyez, maintenant, c'est comme ça que ça marche. Marque d'honneur. Ah, lié au compte Battle.net. Ah, ça, c'est une bonne chose. Par exemple, on pourra PVP avec le War pour stuffer le moine, par exemple. Donc ça, c'est une bonne chose. Je savais pas que c'était lié au compte Battle.net. Mais voilà, pas de grandes modifications, puisque le plus important, ça va être le template PVP, et lui n'est disponible qu'à partir du niveau 110. Donc autant vous dire qu'il faudra attendre Légion pour ça. Après, voilà, il nous donne pas mal de détails sur le système PVP, les équipements qui sont normalisés au niveau des stats, histoire de prioriser, on va dire, le skill par rapport au stuff. Il y aura moins de différence entre un mec très stuff et un mec pas très stuff. Mais voilà, si vous voulez vraiment tous ces détails, comme je vous l'ai dit, je vous invite à cliquer sur le patch note que je vous ai mis dans la description de la vidéo. Vous aurez tout le détail. Maintenant, on va passer au raid et donjon. Citadelle des flammes infernales qui a été complètement nerf puisque les ennemis font 30% de dégâts en moins. Donc autant vous dire que tous ceux qui n'ont pas fini le mode mythique, c'est le moment de mettre un petit coup de turbo, histoire eh bien, de terminer tout ça et de passer à la suite. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant on va parler de l'objet légendaire, c'est terminé. Si cette bague vous ne l'avez pas faite, c'est terminé. Alors si vous avez déjà la quête, si elle est déjà avancée, Blizzard va vous laisser le temps de la terminer. Mais si vous ne l'aviez pas prise encore, voilà, vous oubliez, ce sera eh bien fichu pour cette bague. Après, j'ai envie de vous dire, hein, c'est pas non plus très grave. C'est pas comme si c'était une transmo absolument extraordinaire. C'est une bague qui, pour ceux qui l'ont montée à fond, tiendra un petit moment au début de Légion. Mais après, elle sera en banque et puis c'est tout. Hein. Donc, c'est pas non plus dramatique, j'ai envie de dire. Ensuite, il nous parle d'un nouveau système de fouille. Alors, je vous avoue que ce système de fouille est un petit peu particulier. Puisque moi-même, je ne l'ai pas compris. Admettons, vous allez à la jungle de Tanan. Bon, d'abord, je vais commencer par vous le lire. Hein, ce serait mieux comme ça. Toutes les créatures et PNJ peuvent désormais être fouillées par un maximum de 5 autres personnages. 5 autres personnages. Ça veut dire que vous tuez... pardon. Vous tuez un mob. Vous pouvez le looter. 5 autres personnes pourront aussi le looter. Mais
On n'a pas plus de précision là-dessus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? J'imagine que c'est des mobs qui ont touché. Enfin, c'est des joueurs qui ont touché le mob qui pourront le looter. Ça me semble logique. Donc de ce côté-là, pas de problème. Mais admettons, vous tuez le mec qui est là, je sais pas quoi, funeste. D'accord? Hip hop. Vous voyez tout ce monde là? Bon, je pense qu'ils vont aller en raid, mais le compresseur funeste pop. Vous arrivez à le toucher. Comment ça va se passer? Vous êtes 20 autour de lui. Est-ce que les 20 pourront looter? Ou est-ce qu'il y aura que 5 plus une personne? Non, enfin, une personne plus 5 derrière, donc 6 personnes qui pourront looter. Je vous avoue que j'ai pas bien compris ce qui se passe. Donc n'hésitez surtout pas à me donner des précisions si vous en avez par rapport à ça. Parce que pour moi, c'est pas très très clair. Alors ensuite, il nous parle du système de bastonneurs. Les bastonneurs, en fait, c'était, vous savez, l'espèce de d'arène qu'il y avait en capitale à Orgrimmar, où voilà, on entrait dans une arène, on se fightait contre un ennemi qui avait des techniques assez particulières et tout. Je trouve que c'était incroyablement cool, d'ailleurs. J'ai vraiment adoré. J'ai eu mon titre bastonneur, normalement. Tiens, bah voilà, c'est celui que j'ai actuellement. Sinon, le bastonneur. Donc, j'ai eu le temps de le finir. Ça m'a donné une... Non, ça m'a même pas donné une chemise, puisque la chemise, je sais pas trop où elle est, mais... Bon, elle doit être en banque. Voilà, il y avait des chemises, il y avait tout un tas de trucs. Il y avait une monture. C'était le Mushan. Tiens, regardez, c'est particulier. Là, on n'a pas le nombre de montures qui s'affiche. Curieux. Voilà, ce Mushan qu'on pouvait avoir. Pas mal de petites bricoles en héritage. Je sais qu'on avait aussi possibilité d'avoir une arme de pugilat. Et toutes ces choses sont terminées. Voilà, bye bye. Si vous n'avez pas eu l'occasion de choper tout ça, c'est fini. Mais ce qu'ils nous disent, les bastonneurs font une pause et reviendront plus tard. Bon, j'imagine qu'ils reviendront à Légion. Faudra voir les récompenses qu'ils proposeront. Le concours de pêche aussi a été annulé. Et on était à la jungle de Tanahan juste avant. J'ai tué Kazakh. Regardez ce qu'il m'a donné. J'ai envie de dire, c'est tout con. C'est le trinket qu'on a l'habitude de voir. Sauf que là, il a un petit peu été modifié. Regardez au niveau des stats. 341 à, 4 stats, j'ai envie de dire. Plus 341 force. Niveau 745. Héroïque forgé par les titans. Donc, autant vous dire que les Kazakhs peuvent vous filer du stuff plutôt cool en cette fin d'extension. N'hésitez surtout pas à aller les tuer avec vos quelques persos. Ça peut valoir le coup, hein, même si on va changer de stuff bientôt. Profitez-en, quoi. Bon, là, je vais l'améliorer, ça va me faire un 750 plus, donc c'est pas dégueu du tout. Alors ensuite, nous avons objets et caractéristiques. Qu'est-ce qui nous explique? Simplement que les objets comme les anneaux, capes, colliers, si vous voulez, la stat principale changera. Admettons, vous avez un paladin, je ne sais pas moi, un paladin heal. Vous avez ces objets-là qui seront en intel. D'un coup, vous switchez sur votre paladin vindicte, et bien l'intel va se transformer en force, de telle manière à conserver tout ce qui est bijoux, on va dire, anneaux et tout, quel que soit l'aspect. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça qui ont été modifiés, il y a des trinkets qui ont été nerfs, notamment trinket PVP, trinket Archimonde, etc. Les bonus d'ensemble d'extensions antérieures à WoD ont été retirés, donc on peut toujours les lire je crois, mais ils ont été retirés. Peut-être qu'il y avait de l'abus de ce côté-là, je suis pas trop au courant, mais après les ensembles de WoD, eux par contre, sont conservés hein, pour l'instant. Pas de soucis là-dessus, on va avoir quoi d'autre? Bon après voilà, il nous explique simplement qu'il n'y a plus de puissance de sort sur les objets, simplement que la puissance de sort, elle a été mélangée à l'intelligence pour que ce soit plus clair. Enfin c'est même pas sur les objets, c'est que sur l'arme en fait, pour les casters, pour que ce soit plus clair. Donc ça c'est pas non plus incroyable. Pop. Oui, il y a désormais plus de limites sur le nombre de pièces d'équipement fabriquées qu'on peut porter. Là, admettons... Vous allez parler à votre forgeron. J'ai l'habitude d'avoir mon Heroic Clip en R. Ça me perturbe de l'avoir mis là. Vu que j'ai plus de la posture, je l'ai mis là. Et en fait, non, il va falloir que je rechange ça. Là, admettons... Ah oui, voilà, on a aussi le nouveau menu, en fait, hein, des métiers qui a été fait pour Légion. Donc, vous savez, tous ces objets épiques là qu'on pouvait faire. Je sais pas trop où c'est. Voilà, il y avait une limite avant. On pouvait en faire que 3. Et là, ils nous le mettent, hein, regardez. Artisanat de Warlord 3. Et pourtant, dans le patch note, ils disent qu'il n'y a plus de limite. Qu'en gros, on pourra porter autant de pièces qu'on le souhaite. Ouais, faudrait tester. Si vous avez énormément de compos, pourquoi pas, ne serait-ce que pour la transmo.
Moi, par exemple, j'ai 700 lingots. Faudrait peut-être que je finisse par les claquer un jour ou l'autre. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nouveau système de spécialisation. Maintenant, c'est très simple. La spécialisation, vous êtes sur votre spé, par exemple, Fureur. Vous avez envie de switcher. Hop, vous cliquez. Vous prenez l'aspect. Pas de problème. Vous pouvez faire ça quand vous voulez. Et puis, toutes les barres seront conservées. Alors, moi, je ne m'en suis pas occupé depuis la mise à jour. Donc, il faudra que je le fasse. Mais voilà, vous pouvez switcher à la volée. Le seul petit bémol pour moi, c'est un truc que j'ai pas trop compris d'ailleurs. Pourquoi ils ont fait ça? On ne peut pas changer de talent comme on veut quand on est en extérieur. Le seul moment où on peut changer les talents, c'est dans les zones repos avec le petit Z, hein, le fief, capital, etc. Et pendant un court laps de temps en début de BG, en début de donjon, en début de raid. Mais si vous êtes en extérieur, vous avez envie de switcher d'un sort à l'autre, style tiens, je suis sur carnage, j'ai envie de tester massacre. Hop, vous allez cliquer dessus, ça marchera pas. Alors que là, oui, évidemment, ça marche puisque je suis dans mon fief. Donc, je comprends pas trop le délire. Moi, j'aimais bien pouvoir switcher comme ça à la volée. Donc, même s'ils veulent éviter les abus, bon, bah, ils font en sorte qu'on puisse changer de sort qu'une fois toutes les 5 minutes quand on est en zone extérieure. Et puis autant qu'on veut quand on est en zone reposée. Un truc comme ça qui fait que si d'un coup on a oublié de changer un talent, on n'est pas obligé de revenir en capital ou quoi. Parce que les calligraphes ont possibilité de créer maintenant un consommable qui vous permettra de changer de talent quand vous le souhaitez ou, enfin, peu importe où. Le seul problème, c'est que si on doit acheter des compos super cher parce qu'actuellement ils sont genre à entre 50 et 100 PO l'un, ça fait quand même chier quoi. Donc ouais, j'attends de voir comment ça va se passer de ce côté-là, mais je trouve ça assez curieux. Nouvelles animations de combat. Et oui, c'est vrai. Moi maintenant j'ai l'habitude, étant donné que je passe beaucoup de temps sur la bêta, j'avais même pas fait gaffe, mais oui, les nouvelles animations de combat sont là. C'est-à-dire que maintenant vous pouvez complètement profiter des animations de combat. Les espèces de slash, par exemple, vous voyez, ces espèces de. Je sais pas comment vous expliquer, hein, ces effets qui suivent la lame à chaque fois qu'on fait des coups. Donc, c'est plutôt cool, c'est joli. Et puis, ça donne un petit peu plus de dynamisme au gameplay. Donc, très franchement, les nouvelles animations de combat, je les trouve très, très réussies pour ma part. Donc, voilà. Maintenant, c'est intégré au jeu, ça y est. Ensuite, ah oui, en plus, c'est les effets visuels, mais aussi les effets audio. Donc, oui, ça a plus de pêche, hein, tout bêtement. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le nouveau système de glyphes? Non, pas nouveau système de glyphes. Il n'existe tout simplement plus. Alors les glyphes, ça va être un petit peu différent. Les glyphes, par exemple, cosmétiques, existeront toujours, mais sous une autre forme, on va dire. Les glyphes majeurs existeront aussi, mais ce sera plus ce qu'on connaît. Ce sera plus des glyphes qui viendront augmenter des techniques, les modifier, etc. Maintenant, ce sera complètement différent. Donc, oubliez le système de glyphes tel que vous le connaissiez. Voilà. Ensuite, les avantages de Draenor ont été supprimés. Vous savez, les perks, les fameux perks de Draenor, on ne les a plus. Mais quand on était en phase pex, c'était, il me semble, tous les deux niveaux, on avait un effet en plus sur une des techniques. Par exemple, je passais 92, boum, votre charge maintenant fait tant de trucs en plus, etc. Toutes ces améliorations-là ont été retirées. Voilà, elles n'existent simplement plus. Alors là, il nous parle aussi des armures. Maintenant, ça c'est pour ceux qui rerollent, si vous montez un guerrier, hop, il pop niveau 1, il pourra porter de la plate directement. Pas besoin de passer par la maille jusqu'au niveau 40, puis la plate. Pareil pour les classes mailles, pas besoin de porter du cuir, puis voilà. Ce sera dès le niveau 1, ils pourront porter leur armure, on va dire, la plus forte. Ensuite, il nous parle des modifications de classe, comme je vous l'ai dit. Pas mal de choses qui ont changé de ce côté-là. Là, on est dans les tout nouveaux templates. Il y a des nouvelles techniques comme saccager, enfin nouvelles techniques ou anciennes qui reviennent, etc. Mais voilà, maintenant on a les nouveaux gameplays, les gameplays qu'on aura à Légion. Maintenant, sachez une chose, j'insiste là-dessus, les gameplays sont tunés, sont optimisés pour le niveau 110 avec armes prodigieuses. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez maintenant sur votre classe, sur votre spé, autant dire que ça ne vaut rien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de tirer des conclusions hâtives. Ça sert à rien de dire, mais mon gameplay, il est trop nul et tout. Oui, peut-être, mais faudra juger au niveau 110 avec l'arme prodigieuse parce que vous allez voir que ça change complètement la donne. Voilà, tout bêtement. Ensuite, le fief. Gros nerf du fief. Ah, oui. Les fameuses missions de gold hein, qu'on avait justement
là-bas, hein, donc où on envoyait nos sujets, elles n'existent plus. Alors je sais pas si elles ont été fortement réduites ou si elles n'existent plus. Aujourd'hui, sur tous mes persos, j'en ai vu aucune. Donc autant vous dire que l'argent facile via le fief, c'est de l'histoire ancienne. Et puis pareil, hein, au niveau du comptoir, il me semble qu'elle ne vend plus les fameuses petites bourses. Parce que je suis descendu, j'ai claqué toutes mes ressources hier. J'étais à 500 et là je suis remonté à 6000 en même pas un jour. Donc autant vous dire que maintenant les ressources, ils vous les donnent à gogo. Et donc il fallait parler à la petite gobeline. Bon, c'est un gobelin. Très bien. Ah, ça change. Hein. Bon, hier c'était une gobeline, mais peu importe. Les bourses, elles n'existent plus. Là, on a les grosses, les grandes bourses avec les 100 sauvages, mais les petites en ressources de fief n'existent plus. D'accord, bon, ben voilà. C'est comme ça. Gros nerf des golds via le fief. De toute manière, ça, on est prévenu depuis longtemps. Sinon, on a aussi les jouets. Pas mal de choses qui ont été modifiées. Au niveau des jouets, il y a pas mal d'objets, si vous voulez, qui n'étaient pas considérés comme jouets et qui, du coup, prenaient de la place, etc., dans la banque ou carrément dans nos sacs. Et bien maintenant, ils sont passés en jouets. Et c'est le cas pour plein, plein, plein de bricoles, de petits trucs amusants. D'ailleurs, j'ai reçu une lettre pour me dire, tiens, tel truc s'est passé en jouet, etc. Mais j'arrive pas à le retrouver, c'était le truc Ozen. Non, c'était pas ça. C'était, vous savez, un espèce de casque, en fait, qui permettait d'aller super vite dans l'eau. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Eh bien, ça, avant, c'était un objet. Maintenant, c'est passé en jouet. Donc, voilà, toujours dans l'optique de tout centraliser dans des menus bien particuliers. Maintenant, voilà, c'est comme les objets héritage et tout. C'est très clair. Je trouve que c'est très intelligent de faire ça. Donc, je suis plutôt satisfait. Même si les jouets, très honnêtement, je m'en cogne un tout petit peu. Et pour terminer, l'interface. Des petites modifications au niveau de l'interface. Même si moi, j'ai mon interface personnalisée, on ne peut pas trop le voir. Mais prenez par exemple les nameplates. Vous voyez? Là, il y a des petites barres juste au-dessus de sa tête. Et cette barre, d'ailleurs, on peut la régler. On peut régler la taille. On peut faire tout un tas de trucs. Alors après, il faut retrouver, hein, parce que très honnêtement, ouais, c'est là. Barre plus grande. Vous avez des grandes barres de vie. Et puis, ça va bien plus loin que ça. C'est-à-dire que là, c'est un mob gentil. Mais quand on tape un ennemi, eh bien, allez, on retourne sur le petit Pinocchio là-bas. Voilà. Et on va le bourrer. Donc là, en fait, vous voyez, vous avez vos techniques. Vous avez, par exemple, je vais lui mettre un ralentissement. Non, ça n'apparaît pas, bizarrement. Normalement, il y a, voilà, comme le enragé. Vous voyez, j'ai un buff, il apparaît au-dessus de ma barre. La fameuse barre qui est juste en dessous de moi. Donc d'ailleurs, il va falloir que je vire cette barre que j'avais en add-on et tout, parce que maintenant, ça sert plus à grand-chose. Même si là, il n'y a pas le nombre de rages, et moi, j'aime bien les trucs précis. Autant vous dire que voilà, sur l'interface de base, il y a plus d'informations, elle est plus claire. Et évidemment, cette barre en dessous de moi, je peux la virer, hein. Ça c'est pour les gens qui ont tendance à jouer avec les barres de vie en haut à gauche. Vous pouvez garder un œil sur votre vie juste en bas. Moi, étant donné que mes barres sont assez bas dans l'écran, j'en ai pas forcément besoin. Mais ouais. Quand vous allez stun un ennemi, normalement ça apparaîtra sur sa tête. Voilà, comme ceci. Donc bon, des petites modifications d'interface comme ça. Pas mal de choses qui ont été retravaillées. Il nous parle aussi des options okay, qui ont été simplifiées. Le ciblage avec tab qui est beaucoup plus clair et beaucoup plus précis normalement. Donc ok, bon. Faudra que je teste vraiment sur le terrain. Voilà des petites bricoles qui viennent rendre le jeu de plus en plus agréable. Et ouais, encore deux petites choses hein, pour terminer. La limite de gold est passée de 1 million à 10 millions, on va dire, par perso. Autant vous dire que j'en suis très très loin, donc je ne m'en occupe pas. Mais pour ceux qui ont beaucoup de gold, voilà, sachez-le. Et pour finir, cette fois-ci c'est la fin. Nouveau cap de graphisme. C'est-à-dire que le jeu vient de prendre 3 niveaux de graphisme. Et d'ailleurs, vous voyez, là, en tournant cette vidéo, je me suis rendu compte à certains moments que ça ralentissait pas mal. Parce que le jeu est à fond. À part les ombres, je crois. Ouais, elles peuvent aller en très haute. Mais à part les ombres, j'ai mis bon bah le truc à 10 quoi. Et je pense que maintenant, avec ces nouveaux graphismes, lorsque je voudrais faire une vidéo, il faudra que je réduise peut-être genre à 6 ou à 7. Parce que c'est pas la fête. Et puis évidemment, la distance de vue qui a grandement été améliorée. On est dans une zone enneigée, donc on n'y voit pas bien. Mais je peux vous garantir que quand vous allez dans une belle zone ensoleillée, éclairée, ça saute aux yeux. On voit vraiment de très 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 loin maintenant. Et puis vous verrez à Légion avec les décors absolument somptueux des zones comme Auroch, Stornheim, etc. C'est classe. Vraiment,
C'est un jeu qui s'améliore, extension après extension. Il y a des efforts qui sont faits pour faire au mieux avec leur moteur graphique, certes vieillissant. Et puis moi, je trouve que le résultat est plus que convaincant. Donc voilà, si je devais résumer vraiment cette vidéo et en tout cas ce patch, sachez juste et gardez en tête qu'il ne s'agit que de la première salve. Deuxième salve, il va y avoir plein de petits trucs intéressants à faire. Troisième salve, pareil. Il va y avoir le DH, il va y avoir le scénario qui va introduire Légion. Bref, autant vous dire que là, toutes les deux semaines, on va avoir de quoi se mettre sous les dents. Donc profitez du temps que vous avez pour farmer des transmos, farmer des illusions, faire un petit peu de vide, un petit peu de... De toute façon, je vous ai fait une vidéo, les 10 choses à faire avant Légion. N'hésitez surtout pas à y jeter un œil si ça peut vous donner une idée sur, sur quoi faire pour vous occuper. Ne perdez pas de temps, n'attendez pas la dernière semaine pour commencer à vous préparer, parce que sinon ça va être le bordel. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour ma part, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, et à bientôt. Ciao, ciao.